Je suis Erwan Bézard, chercheur spécialiste de la maladie de Parkinson à l'Institut des maladies neurodégénératives dans la Fédération Bordeaux Neurocampus. Nous étudions la physiopathologie de maladies neurodégénératives affectant le mouvement, telles que la maladie de Parkinson ou encore l'atrophie multisystématisée, dans des modèles expérimentaux, c'est-à-dire chez l'animal, puis enfin chez l'homme. La FRC et l'action du Rotary Espoir en tête ont permis l'acquisition d'une plateforme d'analyse du comportement multidimensionnelle chez le primate se comportant. Plateforme avec laquelle nous pouvons étudier à la fois le mouvement, les capacités cognitives, l'activité électrique des neurones, etc. chez l'animal se comportant, c'est-à-dire effectuant les tâches classiques de sa vie quotidienne. Cette installation permet de tester, c'est-à-dire de valider ou d'invalider, des approches thérapeutiques anti-parkinsoniennes que nous souhaitons appliquer à l'homme. C'est une plateforme unique au monde qui permet de sécuriser et d'accélérer la recherche translationnelle. Je suis Christophe Bull, directeur de recherche au CNRS, directeur de la Fédération Bordeaux Neurocampus. Mon équipe s'intéresse aux synapses, ces éléments qui connectent les neurones entre eux. La force de ces connexions peut changer de manière plus ou moins durable. C'est ce qui se passe en particulier lorsqu'on mémorise une information. La FRC et le Rotary ont permis l'acquisition d'un matériel qui permet d'enregistrer l'activité électrique des neurones en même temps que de visualiser l'activité des synapses. Grâce à cet appareillage, on peut non seulement mieux comprendre les mécanismes de la plasticité synaptique, mais aussi appréhender leur dysfonctionnement dans des conditions pathologiques comme la maladie d'Alzheimer. Je suis Marc Landry, professeur à l'Université de Bordeaux et je suis directeur adjoint de l'Institut INES et du Bordeaux Imaging Center au sein de Bordeaux Neurocampus. Nous étudions dans l'équipe que je dirige les mécanismes des douleurs chroniques, c'est-à-dire les processus qui se déroulent dans la moelle épinière et qui conduisent à une amplification des douleurs. La FRC et le Rotary Espoir en tête ont permis l'acquisition d'un équipement de cryomicroscopie électronique pour l'analyse fine des connexions neuronales, tout en préservant au mieux l'état natif des tissus. C'est un équipement qui permet de congeler et de figer instantanément les tissus biologiques et puis ensuite de les observer dans cet état qui est le plus proche possible de l'état naturel. C'est un équipement qui est utilisé pour l'étude des connexions neuronales et des synapses dans bien d'autres pathologies, par exemple dans le cadre des maladies neurodégénératives. C'est donc un équipement de plateforme qui est mis en service sur le Bordeaux Imaging Center, mais qui est largement mutualisé. Je suis le docteur Nathalie Souriau-Mazoyer, responsable de l'équipe GIN, groupe d'imagerie neurofonctionnelle du Bordeaux Neurocampus. Notre équipe travaille sur l'imagerie des fonctions cognitives, c'est-à-dire qu'on cherche quelles sont les régions du cerveau qui sont actives quand on parle, quand on calcule, quand on fait des images mentales, avec l'IRM, imagerie par résonance magnétique. Grâce à l'opération FRC et Rotary Espoir en tête, on a pu acquérir un dispositif qui nous permet de faire ces mesures d'activité cérébrale d'une manière beaucoup plus simple qu'avec l'IRM. Grâce à un simple bonnet, on est capable de faire cette mesure. Pourquoi c'est important? Parce qu'on va pouvoir mesurer cette activité, y compris quand les gens marchent. Et notre intention, c'est d'étudier la marche chez les patients parkinsoniens qui souffrent de blocage. Je suis Andreas Frick, directeur de recherche INSERM au Neurocentre Majendie dans la Fédération Bordeaux Neurocampus. Mon équipe s'intéresse aux circuits néocorticaux qui sont centraux pour le traitement de l'information sensorielle, le stockage de la mémoire et la cognition. La FRC et la Rotary m'ont permis d'acquérir un microscope multiphotonique qui permet d'enregistrer l'activité électrique des neurones sur des animaux réalisant une tâche comportementale. Grâce à cet appareillage, on peut mieux comprendre le mécanisme de traitement de l'information sensorielle dans les neurones néocorticaux, mais aussi appréhender leur dysfonctionnement dans les conditions pathologiques comme les troubles du spectre autistique.